Salut Jean-Marie. J'aurais voulu savoir, est-ce que ta table, est-ce que c'est toi le plus actif à la table? Oui, probablement, mais en même temps, je pense que pour le moment, on est à 39 left, et je pense que je suis chip leader avec 2 millions. Donc, j'ai pas beaucoup de mérite. C'est un peu plus facile d'être actif quand on a du stack que quand on n'en a pas. Donc, oui, je pense que je suis le plus actif, mais c'est parce que j'ai du jeton. Ok, et alors ma deuxième question, ce serait, est-ce que ton logo fait peur? Bah, disons que je pense pas qu'il fait peur parce que on devait être probablement 50 sur 400 à avoir porté le logo. Donc une personne sur 8 portait le logo, à mon avis ça fait pas très peur. Mais c'est plutôt mes jetons qui font peur pour le moment, je pense. Je comprends. Bah, good luck à toi. Hein. Merci, et on va essayer de faire ce qu'il faut, une petite TF, ce serait sympathique. Quant à toi Jonathan, comment s'est passé ton tournoi? Bah écoute, il n'est pas fini. Donc jusqu'à présent, ça se passe plus ou moins bien. Donc hier je reviens avec 10K, donc il me restait 10K et là j'ai 1,1 million. Donc c'est pas mal quoi, j'ai fait 110 fois la mise en fait quoi. Très bien, et quel serait ton objectif L'objectif ce serait en fait de le gagner quoi, si possible. C'est pas mal comme objectif pour commencer. C'est pas mal, j'ai une table assez difficile je dois dire. Mais tu m'as pas posé cette question. Non mais j'ai vu ta table, effectivement Jonathan a la table la plus difficile du tournoi, il faut l'avouer, avec la question, est-ce que trois très bons joueurs. Oui effectivement il a trois très bons joueurs à sa table, ce que j'ai pu constater. Juste à ma gauche d'ailleurs. Et il s'en sort vraiment bien puisqu'il est arrivé avec 800 000, il a déjà 1,1 million. Avoir fait 300 000 sur cette table c'est mignon, c'est mignon. C'est pas moi qui dois répondre? Non, j'aime bien répondre pour toi aussi. Okay. Merci à vous tous, au revoir.